De l'écriture à la publication d'un article, il y a tout un processus où nous, mathématiciennes et mathématiciens, jouons un rôle de premier ordre. Nous sommes auteurs, nous sommes éditeurs, nous sommes rapporteurs. Pourtant, nous continuons à faire appel à des éditeurs commerciaux pour des services que la recherche publique a les moyens d'assumer elle-même à l'heure du numérique. Ce faisant, nous ne nous voyons pas seulement imposer des produits superflus et des tarifs injustifiés qui nous étouffent, nous sommes aussi contraints à céder la propriété intellectuelle de nos théorèmes. Un groupe de jeunes mathématiciens a eu l'enthousiasme et l'énergie de créer une revue vertueuse, les Annales Henri Lebègue. Cette revue électronique sera gratuite, ouverte et généraliste. Nous avons constitué un comité éditorial large, représentant peu ou prou les mathématiques contemporaines, des statistiques à la géométrie algébrique, en passant par l'analyse et les probabilités. La pertinence et l'équilibre de ce comité seront assurés par un renouvellement périodique de ses membres. Les Annales Henri Lebègue ne sont pas seulement une revue vertueuse qui offre la garantie de la gratuité aussi bien pour l'auteur que pour le lecteur. Nous l'avons pensée pour qu'elle soit également une revue extrêmement simple d'utilisation, depuis la consultation jusqu'à la soumission. Nous avons conçu un site web très épuré, où l'information utile est directement accessible. Un site web sur lequel nous tenons le pari, vous pouvez soumettre votre article en moins de 2 minutes. Voyez vous-même. Cliquons ensemble sur l'onglet de soumission. Pour soumettre un article, j'indique d'abord mon adresse e-mail, mon prénom, mon nom, à présent mon article. S'il est déjà sur Archive, je peux cocher cette case et simplement donner la référence de mon dépôt. Le site se charge lui-même du reste. Ce n'est pas le cas de l'article que je veux soumettre. Ce n'est guère plus complexe. Je donne le titre de mon article, les coordonnées de mes co-auteurs, et je télécharge mon PDF. Je peux maintenant, si je le souhaite, sélectionner une rubrique pour mon article et proposer éventuellement un éditeur à qui sera confiée ma soumission. Un commentaire si besoin. Je clique sur le bouton « Submit ». C'est terminé. Réservez-nous un accueil chaleureux et envoyez-nous vos plus belles inventions mathématiques.